المعاد وصل نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ووفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بعد الفرج غمنا دي changements dans la société et dans la communauté. Essayer de réformer notre communauté est le devoir de chacun d'entre nous. Et cette leçon, nous l'avons apprise par les directives du Saint-Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ar-Ra'd, l'éclair, le chapitre 13 du Saint-Coran, verset 11, nous a très clairement dit « Bismillahirrahmanirrahim, inna Allah la yughayyiru ma biqawm » Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple, sauf si les individus qui composent ce peuple essaient de ramener des changements en eux-mêmes. Et donc, pour qu'il y ait réforme, pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait avancement, nous sommes chacun d'entre nous responsables pour cette mission. Réformer la société, amener le changement dans la communauté. Et d'ailleurs, nous l'avons dit précédemment, notre troisième imam, l'imam Hussein, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. À la sortie ou à sa sortie de sa ville natale, Médine, tout ce que nous avons eu comme action durant et pendant la tragédie de Karbala, Hussein l'avait prédit et avait dit « Les talab al-islah fi ummat jaddi ». Ma sortie a un seul et unique but. Ma mission est très simple. Je voudrais réformer la communauté de mon grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Et à partir de cet événement-là, nous avons essayé de discuter et d'analyser la tragédie de Karbala. Et de différentes manières, nous avons essayé d'expliquer de quelle manière nous pouvons ramener des changements dans la société. La dernière fois, nous avons abordé le sujet de la conjecture, car c'est un fléau, c'est une maladie. Et chacun d'entre nous, quand cela se présente dans notre vie, nous avons cette faiblesse, nous avons cette tendance à juger les gens, à prendre des décisions sans qu'il y ait vérification, sans qu'il y ait enquête. Et nous imaginons de telle manière que nous nous disons que peut-être derrière cette action-là, il y a telle chose. Et la dernière fois, nous avons donné des devoirs à la maison. Et Inch'Allah, espérons que ce devoir a été fait. Nous vous avons dit que nous devons lire quelques versets du Saint-Coran. Et voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Hujurat, le chapitre 49, les cloisons, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde et nous dit attention. Et voyez-vous, alhamdulillah, dans mon public, dans notre public, nous avons des gens qui comprennent bien l'arabe. Et essayons d'analyser ces versets. Le premier d'entre eux,
Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 49 verset 12 nous dit Bismillahirrahmanirrahim Ya illadhina amanu ijtanibu Bismillah kathiran ijtanibu kathiran min al-dhan. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait très clairement dire aux vous les croyants, évitez la conjecture. Non. Avant de nous parler de la conjecture, avant de nous parler de l'imagination sans vérification et de notre réflexion, il a utilisé le mot éviter beaucoup. Ejtanebu kathiran min adhan. Dans la plupart des parties, souvent éviter la conjecture. Pourquoi ? Fa'inna ba'da dhanni ithmun. Car une partie des conjectures, tout ce qui vous arrive dans la tête, tous les jugements que vous vous faites les uns vis-à-vis de l'autre, sont des péchés. Et donc, chers frères, c'est un fléau, c'est une maladie de la communauté. Nous avons tendance à juger les gens sans réflexion. Voyez-vous, la réflexion a une grande partie comme méthode, comme guérison. Pour que ce fléau, cette maladie s'en aille, nous avons la responsabilité d'utiliser notre rationalité et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté d'une raison. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes al-aql, l'intelligence. Voyez-vous notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Nous avons parlé la dernière fois ô combien il est important que nous démontrons, que nous démontrons qu'alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala m'a doté d'une intelligence, d'une rationalité. Et donc j'avais énuméré la dernière fois une narration, j'espère que vous vous en souvenez. Notre premier imam de Nahjul Balagha nous dit « Dhannu rajule ala qadri aqli » L'imagination de l'individu, l'imagination de l'être humain, la conjecture de l'être humain dépend du niveau de son intelligence. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, qui fait des actions sans réfléchir, voilà pourquoi dans une autre narration, c'est celle-là que je n'ai pas cité la dernière fois, et je vais vous la citer encore, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Au combien pour éradiquer, pour éliminer ce fléau, la conjecture en dhan, nous avons besoin d'utiliser notre aql. Nous avons besoin de la réflexion. Et donc, dans Nahjul Balagha, le premier imam nous dit, attention, ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. La conjecture de celui qui est intelligent est plus véridique que la véracité, la conviction de l'ignorant. On va citer quelques exemples. Il y en a beaucoup dans le monde entier. J'en ai cité aussi dans mes précédents discours. Nous, en tant qu'Indo-Pakistanais, nous avons une tendance à penser au niveau des souliers. Ce n'est pas cet exemple-là que je vais prendre. Je vais prendre un exemple plus universel, celui qui est connu par tout le monde. Et donc celui qui ne réfléchit pas, lui il a un yaqin, yaqinul jahil. Il a une conviction profonde. Et donc nous avons des croyances qui disent par exemple que si durant notre trajet, durant un voyage, là où on va, si comment ? Un chat noir. Mashallah, vous voyez, le président, il est en avance. Si un chat noir passe devant nous, cela veut dire qu'il y a de la malchance. C'est un mauvais présage. Bien. Mais celui qui est intelligent, lui, il se demande. Et il se dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'âme du chat, et comme par hasard, là, on ne va pas faire une thèse à propos du chat, mais pour le chat, on dit qu'il a sept vies. Hein? On en parle souvent que le chat a sept vies. Donc, l'intelligent va réfléchir. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a trouvé tellement digne et opportun et important qu'il ait mis à taqdir la destinée du monde entier dans un choix qui lui aussi, à lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la couleur noire? Est-ce que tellement la couleur noire d'un chat est tellement importante que si cette couleur ou ce chat noir passe dans nos parages,
Eh bien, cela est un mauvais présage. Quand je ne réfléchis pas, voilà le genre de conviction que j'ai. Et la conjecture, cher frère, l'imam alayhi salam dit, attention, dhannul aql, celui qui réfléchit, et s'il est intelligent, est meilleur que la conviction, yaqin il jahil, que celui qui est ignorant. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà pourquoi la vérification est très importante. Quand nous avons des données, quand nous avons des nouvelles, quand on voit quelque chose, savez-vous, j'en ai parlé à notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Et donc, par conséquent, l'islam ne nous permet pas d'utiliser des conjectures ou de conjecturer même vis-à-vis des animaux. Vous vous en souvenez de cette narration-là? Je n'ai pas le droit même de juger un animal. Alors, qu'en est-il de juger l'être humain? Je vais vous citer un verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Najm. C'est le chapitre 53 du Saint-Coran, verset 28. Voilà ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Attention, la conjecture ne peut pas servir ou remplacer la vérité. Mais mon problème, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, à partir de ça, j'émets des directives. À partir de ça, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je commence à juger les gens sans réfléchir, tout en se disant que peut-être il y a une cause valable derrière ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu ou ce dont on m'a fait part. Voilà, vous voyez-vous, chers frères. Et pour cela, j'ai dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé à maintes et plusieurs reprises dans le chapitre 49. Je vous avais donné un autre devoir à la maison. Il s'agissait du chapitre 49, verset 6. Qui est-ce qu'il a lu à la maison? Parce que j'avais promis que je vais poser la question, Inch'Allah, vendredi prochain. Donc ce vendredi-là. Personne ne l'a lu. Et après, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il n'y a pas de réforme, qu'il n'y a pas de changement dans la communauté? Cela fait plusieurs mois que nous discutons que les réformes, les changements ne seront là que si et seulement si chacun d'entre nous s'y met. Et voyez-vous, moi, pas vous, moi, je ne suis même pas capable, 24 heures, donc vendredi à vendredi, il y a 7 jours, 24 heures dans une journée, et 24 fois 7, ça fait combien? 140 plus 49, 189 heures. Dans 189 heures, j'ai pas eu le temps d'une minute pour aller lire ce verset du Saint-Coran. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala me dit dedans? Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, il parle bien de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Même pas une minute, 20 secondes. Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète. Oh combien la conjecture, c'est-à-dire prendre des décisions, imaginer sans réfléchir, est un grand problème. Et si nous voulons réformer la société et la communauté, nous devons apprendre à ne pas conjecturer, c'est-à-dire prendre des décisions hâtives sans avoir la vérité devant soi. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète à propos d'un fait de notre histoire. Et l'histoire nous relate que le prophète a envoyé un de ses disciples, un de ses compagnons, Walid ibn Uqba, voir un tribu ou une tribu, Bani Mustalaq. Il a dit que tu vas aller chercher le zakat. Mais Walid ibn Uqba avait des arriérés avec la famille de Bani Mustalaq. Et donc il est allé voir
Et quand Bani Moustalak ont vu que Walid ibn Uqba, juste entre parenthèses pour vous faire signe, que comment étaient quelques-uns des disciples du prophète. Ce Walid ibn Uqba, c'est le même que quand il était gouverneur, pendant la prière de Subh al-Fajr, il disait à ceux qui priaient derrière lui, après avoir accompli deux raka'at, il disait, est-ce que vous en voulez un peu plus? Il était bourré. Ahsan, salu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc il s'approche de la tribu de Bani Moustalak, et Bani Moustalak a su que l'un des disciples, compagnon du prophète, est venu nous voir. Donc ils se sont mis à faire des préparations pour l'accueillir. Mais comme Walid ibn Uqba avait des problèmes avec cette tribu-là, lui il a conjecturé, il s'est dit qu'ils sont en train de préparer la guerre. Il a vu juste ça. Il est revenu voir le prophète. Et il a dit, Ya Rasulallah, tous ces gens-là, les gens de Bani Moustalak se sont détournés de l'islam. Et ils sont en train de se préparer pour une bataille, pour une guerre contre nous. Il a vu juste quelque chose. Et il est venu voir le prophète. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment précis, fait descendre par le biais de l'ange Jibril à notre prophète. Il lui dit, attention, quand quelqu'un de pervers vient vers vous avec une nouvelle, attention, vérifiez d'abord. Parce que après vous allez le regretter. Bien sûr, après il y a eu, le prophète a envoyé encore un autre disciple pour qu'il y ait vérification et enquête. Donc, chers frères, la conjecture, Avan, et nous l'avons traduit la dernière fois, ce qu'on appelle en ourdou et en gujarati, Guman. Hein? Mais après, nous avons un autre pas à franchir. C'est ce qu'on appelle en arabe « Tohma ». Comment bien traduire « Tohma » ? Une accusation sans vérification. Bien. Là aussi, il y a des dispositions à prendre. Nous avons deux états d'esprit dans l'islam. Et dans les deux cas, chacun est responsable par rapport au moment. Voyez-vous, nous allons exposer les deux moments. Et chacun d'entre nous est responsable pour qu'il n'y ait pas de conjecture, pour qu'il n'y ait pas d'accusation fausse. Les deux sont là. Savez-vous, la dernière fois, le prophète avait dit, attention, quand vous voyez quelque chose, ne prenez pas une décision hâtive. À ce moment-là, le prophète avait dit, « Inna shaytana yajrif ibn adam majrad dam il uruk. » Et quand les disciples et les compagnons du prophète étaient venus voir le prophète, il y a Rasul, même vous, vous parlez avec des dames. Et donc là, le prophète avait dit, « Mais vous ne savez même pas de quelle dame il s'agit, c'est ma tante, sa fille. » Le prophète était en train de parler avec sa tante. Et les gens se sont dit, « Mais même le prophète, il parle avec des femmes et avec des dames. » Nous ne savons pas ce que nous voyons, nous n'avons pas la vérité devant nous. Et quand nous prenons des décisions hâtives, voilà ce qui se passe. Nous donnons une mauvaise image à la personne qui est en face de nous. Et donc, quelles sont ces deux positions? Le prophète l'a dit, notre premier imam l'a dit, et chacun de nos imams nous l'ont dit. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, nos imams, le prophète a dit, من وضع نفسه في مواضع التهمة فلا يلومن إلا واه quel public, quel public. Il y en a trop peu comme ça dans le monde. Hassan, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. من وضع نفسه في مواضع التهمة فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui se met dans un état où les gens ont l'occasion de le conjecturer, là où les gens ont l'occasion de l'accuser à tort et à travers, eh bien qu'il n'accuse pas celui qui l'accuse, mais qu'il s'accuse lui-même. C'est un peu dur ça en français, hein? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Pas celui qui l'accuse, mais qu'il s'accuse lui-même. Parce qu'il s'est mis dans une situation là où les gens ont eu l'occasion de l'accuser gratuitement. Mais là,
Moi, j'ai tendance à dire, l'imam al-Islam a dit, il ne faut pas m'accuser parce que moi j'accuse l'autre. Car l'imam al-Islam a dit, celui qui se met dans une telle position, dans une telle situation, il doit s'accuser lui-même. Donc ne me reprimandez pas. Si je vois Cheikh Moïse dans un bar et que je dise, Cheikh Moïse il consomme un petit peu, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Cheikh Moïse. Parce qu'il s'est mis dans une situation, il est allé dans le bar. Mais personne ne s'est dit que Cheikh Moïse est peut-être allé dire à quelqu'un qu'il connaît très bien et en lui disant, « Cher frère, toi ici, ce n'est pas un endroit digne pour toi. Peut-être qu'il est allé expliquer à son confrère, peut-être qu'il est allé là-bas pour autre chose. » Et donc moi je dis, « Je peux accuser. » Donc il y a ce devoir-là. Mais il y a l'autre devoir en face. Symétrie. Chacun d'entre nous ne doit pas se mettre en situation que la personne d'en face ait l'occasion de me conjecturer. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a une autre responsabilité. Et quelle est cette responsabilité? Que je n'ai pas le droit de conjecturer. Celui qui se met en situation d'être accusé, lui aussi il a un devoir. Et celui qui voit cette situation, lui aussi a un devoir, c'est de ne pas conjecturer. Voyez-vous, même si les preuves sont là, si toute évidence est là, nous savons que ça ne peut être que la vérité. Et pourtant, l'islam me dit, attention. Attention à tout ce qui se passe dans ta tête. Car le Satan, il ne va pas te laisser. Lui, il est là pour travailler. Il est là pour semer la zizanie dans la société, dans la communauté, et pour qu'il n'y ait pas réforme, pour qu'il n'y ait pas changement. Voyez-vous, je vous ai cité même pour l'animal. À propos de l'animal, même si tout est là. J'avais cité cette narration-là dans un de mes madlis, un de ces samedis-là. C'est notre sixième imam, l'imam Ja'far Sadiq, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et je vous ai déjà raconté cette anecdote-là, mais pour autre chose. Aujourd'hui, cette même anecdote ou cette petite histoire, je l'utilise pour éviter la conjecture. Van, la fausse imagination, la prise de décision hâtive sans vérification. L'histoire nous relate qu'à Médine, un des disciples et compagnons de notre sixième imam vient le voir et lui dit, « Yabna Rasulillah, j'ai un problème. » C'est quoi ton problème? Il dit, je suis vendeur de lait et de yaourt. Yaourt, comprenez, yaourt. Oui, eh bien, c'est quoi le problème? Il dit, Yabna Rasulillah, je peux vous demander de m'accompagner à la maison? Oui, il n'y a pas de problème. Le sixième imam vient avec le compagnon, chez le compagnon, et il dit, Yabna Rasulillah, venez entrer dans la maison. Il dit, voilà mon problème. Nous avons un récipient. Le compagnon montre à l'imam Sadiq alayhi salam le récipient. Il lui montre le couvercle et il lui montre ce qu'il y a dans le récipient. Il dit, Ibn Rasulullah, voyez-vous qu'est-ce qu'il y a dedans? L'imam lui dit, il semble que quelqu'un a mis sa bouche dedans. Oui, Ibn Rasulullah. J'avais laissé le yaourt à la maison dans ce récipient-là. Un récipient qui était bien couvert. Quand je suis revenu de mon travail, en arrivant à la maison, j'ai vu qu'un chien, un chien est sorti de ma maison. J'ai vu sur sa gueule une blancheur du yaourt. Et donc j'ai compris que ce chien-là est rentré dans ma maison et qu'il a mis sa gueule dans le yaourt. Je rentre dans la maison, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que le couvercle du récipient est en bas et voilà ce que je vois. Ibn Rasulillah, je suis vendeur de yaourt. Mon yaourt est-il tahir ou najis? Est-ce que je peux vendre ce yaourt aux gens? Le sixième imam m'a dit, est-ce que tu as vu le chien mettre sa gueule dans ce récipient? Le compagnon dit, non, je n'ai pas vu, mais toutes les évidences sont là. Tout est là pour nous prouver qu'il n'y a pas autre alternative. Il n'y a qu'un chien qui ait mis sa gueule dans ce récipient. Tout est là.
Je suis aimé, maman dit, tu n'as pas vu de tes propres yeux. Ce yaourt est propre et tu peux le vendre. Avec toutes ces évidences-là, le sixième imam ne me permet pas de conjecturer, même vis-à-vis d'un animal. Et moi, à chaque fait et geste de mon frère, de ma femme, de mes enfants, de mes voisins, de mes beaux-parents, à chaque parole, à chaque action, je m'imagine des choses, des tonnes et des tonnes de choses, et j'en prends des décisions hâtives en disant, il ne m'aime pas, il me hait, il est toujours comme ça avec moi, moi je suis l'être qui n'est pas apprécié par telle personne ou telle personne. À chaque action, Shaitan est là pour me pousser à conjecturer, pour me pousser à prendre des décisions hâtives. Voyez-vous, chers frères, si nous arrivons à éradiquer, à éliminer, et on va dire ça d'une autre manière, à utiliser notre raison, pourquoi aller conjecturer sur les autres? Je n'ai pas la vérité devant moi. Je ne suis pas censé savoir à 100% ce qui s'est passé. Et même si quelqu'un me raconte quelque chose, quelqu'un en qui j'ai 100% confiance, cette personne peut-être a mal entendu. Il a mal compris. Et donc, voyez-vous, même le fait de relayer des informations, nous devons être vigilants. Et pour qu'il y ait réforme et changement, attention aux vannes. Attention aux vannes. Et si nous voulons aller à Karbala, là où l'imam Hussein alayhi salam est sorti pour qu'il y ait réforme, même dans la tragédie de Karbala, même dans la tragédie de Karbala, nous pouvons voir au combien, après tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, l'imam Hussein alayhi salam est en train de dire, je ne peux pas conjecturer même devant les gens qui ont tué mon fils Akbar. Même devant les gens qui ont tué mon frère Abbas, même devant les gens qui nous ont fait subir pendant 3 journées entières la faim et la soif. Savez-vous d'où est-ce qu'on peut sortir cette leçon? Eh bien, tout simplement le jour de Ashura. Après tout ce qui a été fait, Imam Hussein alayhi salam est en train de nous expliquer, attention, vous ne pouvez pas prendre des décisions hâtives. Vous devez toujours avoir une probabilité qu'il y a toujours une partie positive dans les gens qui sont devant vous. Quand personne n'était là, moi je vous pose la question. Pourquoi fallait-il que l'imam Hussein alayhi salam amène un fils de 6 mois pour demander de l'eau? L'imam Hussein savait déjà que ce sont des gens sans scrupules en face. Ce sont des tyrans. Et pourtant, la leçon à tirer ou soutirer de ce fait de Karbala est tout simple. L'imam Hussein alayhi salam, d'ailleurs, en sortant, il dit que peut-être, parmi ces gens-là, peut-être quelqu'un va avoir pitié de mon fils et lui donner de l'eau. Et donc, chers frères, conjecturer, prendre des décisions hâtives, Guman, ou en Gujarati Urdu, Bad Gumani, ce n'est pas facile, j'en conviens, car nous avons une imagination qui est tellement rapide, plus vite que l'éclair, que nous avons tendance à prendre des décisions, des jugements hâtifs. Mais réfléchissons un instant. Si nous arrivons à maîtriser la conjecture, la façon de juger les gens, Inch'Allah wa ta'ala, Inch'Allah wa ta'ala, les réformes seront faites, les changements seront là, et nous pourrons voir, ce sera palpable le changement dans la communauté. Si je pense toujours du bien de mon voisin, de mes beaux-parents, de mes enfants, de ma femme, de mon mari, et de tout ce qui m'entoure, Inch'Allah wa ta'ala, dans la communauté de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le changement pourra venir. Hada wa alhamdulillahi rabbil alamin, rabbana taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر